Salut à tous, c'est Cosmic Pad Gaming. Aujourd'hui, nous allons jouer à Double Dragon sur la NES. Donc, c'est parti pour le test. Allons-y pour un jeu qui est sorti en 1988. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Moi, personnellement, j'avais que 7 ans. Alors, le but, on va aller délivrer la dulcinée d'un des deux frangins que sont les Double Dragons. Hop! Ok, allez, allons-y. Donc, comme vous avez compris, c'est un beat'em all. Ok, on avance. Dès qu'on voit le point qui fait gling gling, c'est qu'on poursuit le niveau. Ok. Donc là, j'aurais pu récupérer déjà le fouet des nanas. Hop là. Mais j'ai préféré taper à main nue. Donc il y a un bouton pour le coup de poing et un bouton pour le coup de pied. Hop. Là par exemple aussi les barils on peut utiliser, mais je préfère comme expliqué faire des points qui vont être très utiles afin de développer les capacités des doubles dragons, parce que comme pour l'instant c'est juste la base coup de poing. Hop. Voilà. Et on entend du glink 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 glink. Ça veut dire que une capacité se débloque. Hop, on va récupérer le fouet. Allez. On joue un peu au père fouettard. Allez, un petit coup de pied et un coup de fouet. Allez, on y va. Bon, il faut savoir que ça, c'est pas un jeu que j'ai eu étant jeune. Hein. Là, je l'ai découvert assez récemment. J'ai trouvé franchement sympa et stylé. Hein. Hop, hop, allez. Ouais, la porte s'ouvre. Hop là. Ok. Ouais, faut faire attention au tapis roulant. On va essayer de pas tomber dans le vide. Ça serait quand même bête. Mais par contre, je vais l'utiliser à bon escient. Allez, bonjour à Bobo. Hop. Et au revoir. Comment clôturer facilement la première mission. Comme j'ai fait. Allez, hop là. Toi dégage. Oula. Oh, lui là derrière va vouloir récupérer l'objet, faut que je fasse attention. Tiens, allez. Je vais pas laisser l'opportunité. Allez, hop là. Boum. On avance. Oula, lui voulait jeter un bâton dynamite. Hop là, oula là. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Normalement j'ai débloqué cette capacité, le coup de pied sauté. On va tester sur cet ennemi là. Voilà. Et on récupère la botte. Boum. Allez. Strike. Enfin, home run plutôt. Ah ça va, je garde la batte. Oula. Ah viens le tour. Hop. Lui aussi, il voulait me piéger, mais je l'ai eu. Hop là. Je sais que ce jeu est pas si évident que ça. Donc il faut bien gérer hop, ses attaques. Bon, le fouet, je le prends. Allez. Cela m'ennuie. Boum. Galoto. Boum. Allez, on monte les échelles. Ah bah, il y en a deux. Bon, bah, pas de quartier. Heureusement que j'ai gardé le fouet. C'est très utile. Boum. J'ai fait juste un petit coup de pied pour faire des points. Ouais, je vais pas la laisser descendre complètement. Boum. Comme ça, elle a pas le temps de réagir. Hein. Alors. Ah oui. Là, va falloir monter les échelles pour atteindre le boss de ce niveau.
Hop, coup de pied sauté. Boum. Bon, faut pas faire tout le temps non plus la même attaque parce que sinon après il devine. Ah voilà, la preuve. Là, allez. Bon, lui par contre il m'ennuie. Bon par contre ça c'est un coup assez safe mais c'est utile. Ça y est. Allez, hop là. Deuxième mission, clear. C'est parti pour la troisième. Par contre, je sais que celle-ci, elle risque d'être un peu longue. Hop, on récupère le couteau. Hop là. Attention. Un petit peu de concentration. Alors, à savoir si vous voulez vraiment, si vous avez le Nintendo Online, bon bien sûr vous devez le savoir, ce jeu il est disponible via cette l'application, donc c'est intéressant. Oula. Bon alors, ah oh, il m'ennuie lui. Là tu as pu m'embêter longtemps. Allez hop là. Il faut éviter à ce qu'ils se mettent à deux parce que sinon. Allez, coup de genou. Bon alors. Hé hey. Ah. Allez, hop, hop, hop. Allez, deuxième tour. Hop là. Et toujours pas KO. Ah, faut y en mettre un dans la figure. Hein. Voilà. Suivant. Ah bah alors. Boum. Ah, il en redemande. Ah, il est résistant celui-là. Ça y est. La suite. Eh ben. Allez. Non, toujours pas. Oh, il s'est renforcé, lui, Yuko. Oh, attention, hein. Alors, attention, bien que ça batte. Boum. Et boum. Hop, attention. On va bien se placer, pas se faire avoir, ça serait bête. Que lui va m'embêter, je sens gros comme une maison. Oh là là. Ça va, je peux récupérer la batte. On va pouvoir finir ce partie de tableau là tranquillement avec la batte. Voilà. Alors, on l'a pas toujours, hein, sinon ça serait trop simple. Hein. Ça faciliterait la difficulté du jeu. Bon, ça va, on va dire que c'est à peu près bien équilibré. Hop, on va essayer de garder de l'énergie parce que je m'aperçois que j'en ai plus tant que ça. Éviter qu'il soit à deux là. Ok. Alors. Alors il y en a deux d'un coup. Alors je vais faire la technique safe. Hein. Donc, normalement ça devrait fonctionner. Si je me fais pas toucher bêtement. Normalement, je fais l'un après l'autre. Ça va prendre un peu de temps. Mais c'est utile. Voilà. On va essayer de se concentrer sur un. Ah, attention.
On va essayer de pas se faire avoir, ça serait vraiment ballot de perdre une vie bêtement là. Alors, quand est-ce qu'il y en a un qui cède? Ah, oula, attention! Allez, encore un grand coup de pied. Lui, il va céder, c'est obligé. Toujours pas. Allez, cède, cède, cède. Oh, il a pas envie de céder, hein. Ah, ça y est, quand même. Allez, 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 allez. Hop, 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 allez. Allez, viens l'auto. Allez, on rentre dans la grotte. Voilà, ça va, heureusement, toute mon énergie, elle est rechargée. Et là, faut faire attention aux stalactites qui tombent du plafond. Voilà, c'est bon, j'échappe à tout. Là, on va prendre les petites plateformes mouvantes. Hop là, allez, on saute. Hop, par ici. On va essayer de se rapprocher. Voilà, faire un petit saut ici. Alors la porte va s'ouvrir. Et bien sûr, les ennemis apparaissent. Oula, attention. Mais, embêtez là les gars. Allez, boum. Hop là. Hop. Hop. Ok. Enfin, il n'y aurait plus qu'un à avoir, mais c'est toujours le plus chiant. Voilà, c'est fait. Ah oui, et là, attention, pas se faire piéger par une dynamite. Oula, attention, il a ramassé sa dynamite en plus. Il va falloir s'éloigner. Allez, hop. Là, c'est une petite vague d'ennemis qu'il faut abattre. On va essayer de faire attention. Hop, lui, on l'esquive. Oh, alors. Oh, mais. C'est en train de m'encercler, là. Il m'ennuie, là. Voilà. Ok, allez, viens, l'auto. Hop là. Alors, attention, là normalement il y a des rochers qui tombent. Oh, en plus je le dis moi-même, je me fais avoir. Attention, là on va laisser passer l'orage, voilà. Pour pas tomber dans la lave, puis éviter un bug. Mais ça m'est déjà arrivé que il y ait des petits bugs qui me fassent tomber. J'ai perdu la vie. Hop, là on va encore se laisser tomber. Hop là. Ah, on dirait Abobo Hulk. C'est marrant ça. Il a pris des stéroïdes. Il est dopé. Oula, attention. On fait un tactic save. Oula. Je dis on fait un tactic save et je me fais avoir bêtement là. On va arrêter les bêtises, on va faire ça tranquille. Voilà. Mais attention, attention. Ah, ah, toujours pas. Bon bah. Allez, on en enchaîne un deuxième. Soyons patients. On va y arriver. Hop.
Là. et je tape, oula, ouh, t'excites pas mon gars. Alors, il va passer à la trappe lui au coup. Oh, il n'y a plus beaucoup de coups à faire, hein. Ça devra aller. Hop, voilà. Allez, on avance. Donc normalement on est à la sortie de la base, si je m'en souviens bien. Ouh, 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 attention, pas se faire éjecter de la plateforme, ça serait bête. Par contre, lui, ouais, je l'ai éjecté. Ah, tu veux jouer? Allez, boum. Au revoir. Ouh, attention. Oh là là, je m'en doutais que ça allait sortir direct de la grotte. Hop, on descend. Hop là, allez, on descend. Pas le temps d'attendre. Boum. Si vous voulez, hein. Boum, boum. Attention, attention, bêtement. Ne pas se faire voir bêtement. Allez, on descend. Hop, on arrive à la porte. Allez, on va l'éjecter. Voilà. Ah, va falloir que je la batte, elle. Allez, dégage. Ok, la porte s'ouvre. Donc voilà, c'est Cosmic Bad Gaming qui vous a fait le test de Double Dragon. A plus pour un prochain test.